Eh ben bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour le Games Horror Show numéro 168 si je ne m'abuse. Cette fois-ci, on va s'attaquer au deuxième opus d'une licence où j'ai eu vraiment de mal à m'y faire, c'est The Evil Within. Pour ceux qui auraient pas suivi mon let's play du 1 que j'avais fait en Games Horror Show, j'avais galéré de fou à le terminer. Et j'ai même pas pu le terminer à cause d'un bug qui est présent sur toutes mes parties. Je peux pas terminer le combat de fin parce qu'il y a un ennemi qui s'est coincé derrière un décor et il reste coincé. C'est vraiment chiant. Et donc voilà. On a dû faire. J'ai dû faire sans, ça m'a bien frustré de ne pas pouvoir essayer à le terminer alors que je m'étais fait chier mais forcé à essayer de le terminer. Et de ce que Steve m'a dit, a priori le 2 il est aussi dur que le 1, j'avais entendu qu'il était plus facile. Mais on va voir si on arrive à le terminer. Si je les mets en Games Horror Show, c'est que je suis pas sûr de le terminer. Hein. On verra suivant ma patience. Sinon j'aurais fait un let's play normal. Et donc on y va. Ouais, on va essayer en mode à la première personne. J'ai envie d'essayer le jeu, voir comment ça se passe. Si je m'en sors mieux. Mode endurance infinie, oui. Mode super force, un seul coup avec n'importe quelle arme suffira à tuer la plupart des ennemis. Ça, je vais le faire. Vous rend invulnérable à la plupart des dégâts. Ah bah si, il est plus facile. Avec ces options-là, il est vachement plus facile le jeu. Hein, si tu actives ces options. C'est sûr que si tu les actives pas, peut-être qu'il est aussi dur que le 1, mais là je vais le rouler dessus au jeu. Une maison ravagée par les flammes, morte une fillette et de sa nourrice. Intéressant tout ça. Mon Dieu, ça brûle! Le feu, c'est pas cool. Le feu, il brûle tout. Alors, est-ce qu'on va retrouver notre cher ami Sébastien Castellanos? Premier opus. Ah, il y a une peinture qui brûle. Un dessin. Enfant. Ça commence sur le chapeau de roue, chapitre 1. Non. Les flammes du mal. Non. Non, this is not happening. J'ai mis en anglais. Les voix. Quand on avait fait le 1, les voix elles étaient en français. Je pense pas qu'on pouvait les changer, je me rappelle plus. Là, je fais en anglais. Oh God, Lily! Allez, vas-y. Allez, sauver Lily. Yo, Lily. Oh, tu embrasses le feu, Lily. Hein. How did this happen? Ça, je sais pas. On se prend un petit café, un petit kawa. On se prend un petit thé, vas-y. On est dans une maison enflammée. On est Travis Grady, on va aller sauver Alessa Gillespie. C'est Silent Hill Origins, je vous avais pas dit. Hein. Peut-être je vais ouvrir. Gros coup de pied dans la porte. Je pense que c'est cette porte. Lily. Lily. Come on out. Lily, where are you? Putain, c'est Sébastien. Dad's here. Il a changé en gueule, hein. Here for me, Dad. Bonjour Lily, t'as grandi? Oh putain, y'a tout qui tourne dans tous les sens. Ouais, j'ai trop bu. Faut que j'arrête de picoler. Kidman. Hello, Sebastian. T'as changé aussi en gueule, toi. 3 years. I've been trying to track you down for 3 years. And you thought you'd find me. Évidemment, celle qui m'a trouvé. Is that it? And why are you here now, damn it? Comment elle te critique? They didn't want you to. Calm down, Sebastian. Ouais, je me calme. You knew what was going to happen in that hospital, didn't you? What happened at Beacon is in the past. You need to forget it. C'est pas facile. Et Joseph, il va comment? Il va bien? But he didn't have answers. You do. You're gonna tell me about Mobius. Graphiquement, il a de la gueule, hein, le jeu, je dois avouer. Hein. Oh, des hommes en noir.
Bonjour. Et le barman aussi, il est dans le coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Where did you get this? Attention, je peux te tirer dessus. Lily est encore vivante. Oh, Gaïa. Lily is dead. I read the police report. I was at her funeral. We can rewrite history if we want to. Réécrire l'histoire. Lily is alive. She's with us. But she's in danger. We need you to help save her. Ok, ça marche. Tiens, le mec, il se pose pas plus de questions que ça. What have you done to her? Get your hands off me. Il va me faire la prise de Monsieur Spock. Ah, ok. I was hoping you'd come willingly, Sebastian. But we don't have time for this bullshit. We need you. Lily needs you. Si vous le dites, je veux bien vous croire. Mais je peux garder la photo. Ça me fait un souvenir. So this is the almighty moment. Be careful about what you say. You don't know how powerful they are. Right. So powerful they have to kidnap a washed up ex-cop to help them. Vieux flag alcoolique. Enough of this bullshit. Where's Lily? Patience. All your answers are right here. Il y a intérêt, hein. Les réponses sont là. Imagine it. Millions of minds connected together. Ouais. J'imagine. Happiness for one. Is happiness for all. This machine, grand méchant. This miracle will allow our species to achieve greatness. We needed to start with a mind that was pure and clean enough to support thousands of personalities. Et c'est Bibi qui a le meilleur truc. An innocent child. You connected Lily to that machine? Je vais vous taper la gueule. Is quite special. The most stable core candidate we've ever tested. Bon, le G-Man, tu te calmes, hein, tout de suite. Thanks to her, the new stem has been a smashing success. Ah, en plus, il a vraiment la gueule. En vrai, hein, il lui ressemble. A little over a week ago, Lily vanished. Just stopped sending signals. Think about this, Mr. Castellanos. I am providing you an opportunity. L'opportunité de foutre un coup de pied au cul. Plouf. C'est bon, on a replongé dans l'enfer. C'était la machine là. Bethesda. Le premier aussi, c'est un jeu Bethesda. Je me rappelais pas ça. Quel truc plus dur sera la chute? Les gouttes remontent. Il pleut à l'envers. Bon. Tant qu'on est dans le noir, vas-y, The Evil Within 2. Ça commence sur les chapeaux de roue, hein. On rentre direct dans le vif du sujet. Ça perd pas de temps. Ça c'est cool. Ah, la maison elle est en feu. Oh, on se refait la maison là. Et Mira, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est morte aussi ou pas? Elle a disparu en essayant de chercher la vérité, c'est ça? Oui, allô? Ouais, putain, ça nous a ramené dans une sorte de réalité. This place looks like my old office at Crimson City PD. It was your subconscious that built it. You should ask yourself that question.
Let's get down to business. We sent some information into your room. Do you see anything unfamiliar? Bon, on va fouiller un peu les bureaux, voir qu'est-ce qui nous attend. C'est pas mal la vue à la première personne. Alors, examiner Yukiko Hoffman. Ah, elle est jolie, Yukiko. Chapitre 2, quelque chose cloche. Est-ce qu'on a déjà cette vidéo ou pas? On va peut-être fouiller les différentes informations. Avec ennemi. Ah, y a Yukiko. Hoffman. Psychology and surveillance. Ah, elle, j'ai hâte de la rencontrer parce qu'elle est mimi. Hein. Lily, your team, and now me. Ouais, ça craint. Ça craint tout ça. I don't understand why you can't just take them all out of their pods and wake them up. A cat. I don't ever remember owning a cat. Bonjour, petit chat. Mais tu sais qu'il est mignon, il a les yeux rouges en plus. Oh, on a envie de la voir. Hein. Non, je vous avais pas fait. Le truc que je vous avais pas fait, c'était les DLC du premier. Je pourrais peut-être les faire un jour si ça vous intéresse que je fasse. DLC du premier. Ça pourrait être intéressant, on y incarne Kidman, notamment. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me files, le chat? Slide projector. Ah, miaou. Where did my memory dig this up? Elementary school? Peut-être. Oui, il y a une époque où on prenait des photos avec un appareil, et ok, ça marche. Utiliser le projecteur. On va voir ce que ça donne. Changer de diapo. I never had a family to lose. Just two people who brought me into this world and treated me like a burden instead of a daughter. Better to have loved and lost. Is that what you're saying? Ouais, c'est pas une raison, hein. C'est pas une raison pour venir m'emmerder, me casser les couilles. J'étais tranquille dans mon bar, hein, à boire. Ok. Y'a que dalle d'autre. Ça marche. Vous pouvez utiliser les terminaux de sauvegarde pour enregistrer votre progression à tout moment. Elle se trouve dans l'époque dans la salle de Sébastien Castellanos. On va sauvegarder un coup. Voilà, placement de sauvegarde. Quelque chose cloche. Waouh, la lumière, elle m'aveugle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Here we go again. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un miroir. Allez, là, c'est reparti pour un petit tour. Ouh, c'est flash blanc. Ah. Ouais, c'est la gentille petite Lily. Et ça, c'est ma gentille femme. Allez, on va réparer ta poupée. Ça sera comme neuf, t'en fais pas, Lily. Ouais, j'ai mal aux yeux. J'ai la migraine. J'ai envie de vomir. Sébastien? Je vais vomir mon propre vomi, je l'ai bouffé. Ouais, ça va. T'as de beaux yeux, tu sais. Et moi, je suis bien rasé pour une fois. Intéressant, cet endroit. Oui, il y a le rideau qui bouge. Le rideau qui se lève. Oh, tiens, il y a une porte. Il y a une chaise. On va s'asseoir, on va se poser un petit peu, un petit coup. Notre petit cul. Ah, ça fait du bien de s'asseoir. En tout cas, donc finalement, ce Games Horror Show numéro 168, c'est pas sur Dead by Daylight, contrairement à ce que j'affirme dans le début de la vidéo que j'ai faite dessus, qu'on a fait avec Thomas. Mais je vais jouer à Dead by Daylight après, je vais faire deux Games Horror Show. Comme ça, vous allez être gâtés. Bon, et donc je pose mon cul, non? Allez, là, la chaise. On peut ouvrir cette porte? Non? Ah! On sent de ouvrir. J'aime bien la gueule du truc, hein, déjà. La gueule des niveaux. Moi, j'ai hâte de voir qu'on va affronter les monstres. Est-ce que ce sera les mêmes monstres que dans le premier jeu? Ça, c'est la bonne question qu'on peut se poser, hein, en vrai. Wow. Ça explose au milieu de chair. One of the search team. Baker. Elle est bien gore, le jeu, hein. Ouais, n'est-ce pas?
Matez-moi tout ça. Moi, je mate, hein. J'examine. Oui, c'est beau. C'est un peu rembobinant. Ah, tiens, un tableau sur un œil. Il me fait un petit clin d'œil, hein. Qu'est-ce qu'on a, là? Des dossiers. École membre de l'équipage. Whoever did this must have enjoyed it. Ouais, ça c'est clair. Bon, on va continuer à fouiller la zone. Bon, je pense que le jeu, ce serait mieux de visiter, d'y jouer avec un casque sur PC. Pour s'immiscer dans l'atmosphère, mais j'ai pas, je pense pas, un PC qui peut le faire tourner. En tout cas, Thomas, lui, il va me vendre des outils pour me faire un nouveau PC. Donc j'ai hâte de... ça me permettra peut-être de jouer à Dead by Daylight sans que ça freeze. Ce serait cool, en effet. Tiens, un téléphone. On va appeler qui? Kidman? Hello? C'est pas drôle. Who is that? Ben, je sais pas hein, du tout. Notre extravagant candidat, félicitations, chercheur de vérité, merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituelle. Nous sommes ravis de vous faire passer au niveau de connaissance suivant. Merci de vous rendre au centre MU avec cette lettre pour passer de candidat à approbation à fidèle de MU. Cette lettre vous accorde également une bonne passe pour la prochaine cérémonie de purification. Mensonges, rien que des mensonges. On peut le retourner? Ah oui, d'accord. Pourquoi pas? Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a grand. Eh ben, il doit pas être petit, hein. Ah, bonjour! Bonjour, monsieur, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah. C'est pas sympathique, tout ça. Hein. Évidemment. Shit. Fallait que je fasse du bruit et maintenir à couvert, l'icône OK, se mettre. Se déplacer, donc retourner. Ouais, bon, moi je vais me casser. Hein. C'est pas que je m'ennuie, mais j'ai pas envie de finir scalpé comme l'autre. Hein. Bonjour. Encore des gens figés dans le temps. C'est une belle œuvre. Hein. Bordel. Alors, Robert, la Renaissance. On est dans Resident Evil? Resident Evil Rebirth. Là, c'est beau. Je mettrai 15 sur 20. La critique, putain, j'ai les couilles qui me grattent. Ah, il y a des chats qui sont en train de jouer, là. Ça fait du bruit, hein. Oh, c'est sympa. Il y a que des pendus. On s'amuse. Ah, je peux les shooter. Ouais. Bonjour, toi aussi. Non, toi, t'es pas pendu. Ouais, il faut aller où? Il faut examiner l'œil? Non, je sais pas, bonne question. Prendre la photo, là? Ah, tiens, il y a une porte qui est apparue. Le jeu se joue de moi, hein. J'ai envie de dire... Aïe! Ah, il m'a pas pris sur mon plus beau profil, hein. Le photo, hein, j'ai envie de dire. Bonjour, Alma! Toi aussi, tu viens de me rendre visite? D'accord. Ah, on part sur le chapeau de roue, là. Oh, fuck. Bon. On va fuir. Ah, ça me rappelle bien des boss, hein. Les boss du premier opus. Pas vu. Je trouve que si. Bon. Ah, le pire c'était la fille aux cheveux longs et trop bien en plus. C'est le plus de one shot. Trapped in here. Ouais, je suis au piège. Allez, on va utiliser ça. On va grimper dans les conduits. On va faire la Gordon Freeman.
à éviter les ennemis aussi. Oh bonjour le rat. Non, pas le rat. Le rat, il était gentil, il était innocent dans l'affaire. Ah putain, il est de retour. Fuyons! Fuyons! Bonjour. Salut. Mais c'est pas juste hein, si vous vous attaquez à deux à moi. Pas du jeu, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Allez, on se tire vers la lumière. La lumière va nous sauver. Ah là là. C'est pas notre journée, hein. Ça commence déjà sur les chapeaux de roue, on est blessé et tout. What the fuck is going on here? Ah, tu devrais commencer à connaître le lieu, hein. T'as vécu tout un enfer dans le premier jeu aussi, hein. Régénération automatique santé, lorsque votre niveau de santé est critique, la jauge de santé devient rouge. Lorsque la jauge de santé est rouge, votre santé sera partiellement régénérée. Ça régénère plus rapidement si vous restez immobile, alors restez à un endroit sûr pour vous cacher et reprendre défense lorsque vous êtes dans une situation critique. Taux de survie obtenu. Ouais, ça c'est cool. Y a pas un point de sauvegarde? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première vidéo. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on continuera ce jeu. Charge partie. Alors, la sauvegarde auto. Est-ce que la sauvegarde auto, c'est bien le moment où je pense? Ou est-ce que... pas. Oh, I don't hear it. Ah putain, non, ça reprend ici. Bon, je saurais qu'il faudra que je refasse juste le passage là. Et donc, bah, au revoir les gens, salut.